Bonjour à tous, nous sommes le 8 avril. Vous le savez, la semaine sainte a englobé la fête de l'Annonciation de la Vierge Marie. L'Annonciation que l'ange Gabriel a fait à la Vierge Marie pour lui annoncer le Sauveur. Et donc l'Église, avec sagesse, a reporté après la semaine sainte cette fête de l'Annonciation qui est aussi une fête finalement de l'Incarnation et de la Rédemption. Nous écoutons d'ailleurs « For King and Country » au Comme Emmanuel. Car si les cieux pouvaient se déchirer, si le ciel s'ouvrait et que le Seigneur descendait. L'Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, annonce Jésus, Dieu sauve. Ce mystère de l'Annonciation est un mystère à la fois d'intériorité, puisque c'est une relation tout à fait particulière que Dieu veut avoir avec chacune et chacun d'entre nous. Le privilège de Marie d'être la mère du Sauveur est un privilège bien sûr unique et tout à fait qui place Marie, je dirais, au sommet, aux confins même de la divinité, comme disent les théologiens, mais qui n'empêche pas Marie d'être l'une parmi nous, c'est-à-dire de résumer toute l'attente du salut. C'est parce que justement les temps étaient accomplis que la Vierge Marie a été visitée par l'ange Gabriel. Alors en ce jour, je vous invite en ce 8 avril à renouveler votre dévotion non seulement à Marie pour aller à Jésus, non seulement votre dévotion aux anges pour aller aussi à Dieu, pour être aussi des envoyés, mais à annoncer tout ce temps pascal, oui, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, non seulement dans la vie terrestre que Jésus a menée, mais Dieu avec nous dans cette vie de ressuscité. Car voici, dit Jésus, que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Soyez bénis. Très bon lundi au soleil. Et je vous laisse écouter For King and Country. C'est tiré de leur album A Drummer Boy Christmas, que je vous invite à voir. Très 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 bel album. Où vient clé de David? Viens. Et viens ouvrir le cœur de nos maisons. Que la lumière puisse entrer. Réjouis-toi, Emmanuel. Réjouissons-nous en cette journée.